bien, salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau achat comics et info qui sera assez chargé, faut dire ce qui est tant en achat que en info. Donc comme d'habitude, je commence par la partie achat comics. Donc voilà, et dans un deuxième temps, je parlerai donc, comme je l'avais annoncé il y a deux semaines, de mon planning pour le mois de mai sur des vidéos spéciales 75 ans de Batman. Donc ça sera en deuxième partie de la vidéo. Donc au niveau des achats, donc les achats habituels, les kiosques habituels, donc voilà, un Batman Saga 24 et Green Lantern Saga 24, j'en parle pas en détail, hein, voilà, donc ça arrivera en review donc le plus vite possible, faut que je les lise et après, bah voilà, il n'y a plus qu'à tourner. Ensuite, librairie, il y a pas mal de trucs, donc Justice League tome 3, donc sur, donc voilà, Trône de l'Atlantide, donc que j'ai adoré, hein, donc voilà, je vous ferai une review comics sur le relié, donc voilà, ça sera l'occasion d'en parler en détail, mais globalement j'ai beaucoup aimé, et j'ai vraiment hâte de le relire cet arc, que j'ai vraiment adoré. Ensuite, Gotham Central, donc voilà, que j'attends aussi beaucoup beaucoup. Là par contre, je vais vraiment voilà découvrir. Je suis très très impatient de voir ce que ça va donner parce que voilà, tout le monde dit que c'est vraiment vraiment pas mal. Donc voilà, même si j'appréhende quand même, mais normalement ça devrait vraiment être très bon. Donc voilà, j'espère ne pas être déçu pour ce Gotham Central que voilà que j'attends beaucoup. Faut dire ce qui est. Donc ça c'est pareil, hein, ça arrivera en review le plus vite possible, hein, dans le courant de la semaine. Ensuite, deux achats que j'avais pas forcément prévu tout de suite. Batman Amère Victoire, donc que j'avais adoré un Halloween, hein, pour moi il est vraiment incroyable ce récit. Donc j'ai enfin la suite que j'attends beaucoup beaucoup beaucoup. Faut dire ce qui est, donc ça sera voilà ça. La review comics, je la garde pour le mois spécial 75 ans de Batman. Voilà, ça c'est dit, donc ça arrivera pas tout de suite, tout de suite. Et enfin, finalement, j'ai décidé de commencer cette saga, à savoir Batman No Man's Land. J'avais dit, voilà, il y a deux semaines, je ferai pas No Man's Land, mais Gotham Central. Mais le fait est que j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre ce tome, donc voilà, je me suis jeté sur l'occasion. Voilà, je l'ai pas lu, hein, mais voilà, bon, j'attends beaucoup parce que j'espère que je vais pas être déçu, parce que voilà, on en parle beaucoup. En bien, donc voilà, j'attends beaucoup beaucoup cet arc. Après moi j'apprends beaucoup ce genre de saga en fait, hein, parce que c'est le genre de truc où c'est un peu fourre-tout, il y a beaucoup de séries etc. Je suis vraiment pas fan de ça à la base, je l'ai jamais fait, mais le principe même me tente pas trop, donc j'apprends quand même pas mal. Après bon voilà, franchement on en parle en bien, donc je verrai, mais voilà, ça arrivera en revue comics le plus vite possible. Donc voilà, désolé pour la répétition, mais je fais ce que je peux. Donc voilà, hein, pas mal d'achats, comme vous pouvez le voir. Hein, c'était vraiment une grosse semaine en ce qui me concerne. Ensuite, la partie info. Donc, comme je l'avais annoncé il y a ça, quelques mois, je vais faire un mois spécial 75 ans de Batman, où voilà, je vais faire des vidéos que je n'ai pas forcément l'habitude. Enfin, ça va vraiment se ressembler, hein, il n'y aura pas de gros bouleversements, mais voilà, ça sera histoire de marquer le coup. Donc là, je vais vous dire en gros mon planning. Donc la semaine du 15 au 11 mai, je sortirai deux vidéos, deux review comics spéciales 75 ans de Batman sur deux essentiels. Je ne sais pas encore lesquels sortiront en premier, mais voilà. Donc ça sera deux vidéos review comics 75 ans de Batman, donc sur deux essentiels. Ensuite, la semaine du 12 au 18 mai, vous aurez une vidéo spéciale 75 ans sur un essentiel, donc une review comics sur un essentiel. Et vous aurez une vidéo présentation sur les éditions noir et blanc que Urban Comics sort à l'occasion des 75 ans de Batman. Donc moi personnellement j'en ai pris 3. J'espère qu'il n'y aura pas de retard pour la livraison, sinon ça va faire un peu ça va faire un peu chier, faut dire ce qui est, pour mes vidéos. Donc voilà, je les ai commandées sur internet, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de livraison, que ça arrivera bien à la date que ça doit arriver. Voilà, je croise les doigts et puis voilà, donc j'en ai pris 3, je vous dis pas lesquels, vous verrez lors de ma vidéo. Ensuite, la semaine du 19 mai au 25 mai, je sortirai une vidéo review sur un essentiel et je ferai une vidéo sur Batman et les New 52, je l'ai intitulé comme ça. Donc je reviendrai sur tous les titres VF qu'on a, donc je pourrais pas parler toutes les séries du Batverse, mais voilà, comme par exemple Red Hood and the Outlaws, on a eu que deux numéros dans des Batman saga, donc je peux pas juger la série. Mais voilà, ça sera en gros une grosse vidéo, je reviendrai sur chaque série du Batverse et je donnerai mon avis, je dirai ce qu'elle vaut, etc. Ça sera pour dire de, voilà, de parler de ce qui se fait en ce moment quoi, dans le Batverse. Voilà pour la semaine du 19 au 25 mai. Et enfin, la dernière semaine, du 26 mai
au 1er juin, je sortirai une vidéo spéciale 75 ans, donc une review spéciale 75 ans sur un dernier essentiel. Et enfin, je sortirai une vidéo que j'ai appelée le top Batman, où en fait, ça sera tout simplement une vidéo où je ferai un top de plusieurs choses, donc un top sur mes récits, je sais pas, ça peut être un top 5 ou un top 3, je sais pas vraiment, un top sur mes vilains préférés, un top sur les personnages secondaires, sur les films, sur les jeux vidéo, enfin un peu de tout. Ça sera vraiment une grosse vidéo, enfin grosse, elle sera pas trop longue normalement, où je ferai plusieurs tops sur mes goûts en ce qui concerne le Batverse. Donc voilà pour le programme, j'espère que ça a bien été clair. Voilà. En attendant, je suis très impatient de vous faire ces vidéos parce que voilà, c'est quelque chose que je vais prendre beaucoup de plaisir à le faire. Parce que voilà, hein, bon, vous attendez pas encore une fois des vidéos extrêmement. Qui sortent de l'ordinaire, non, ce sera vraiment le même principe, mais c'est pour dire, voilà, de faire un petit événement sur ma chaîne pour dire de marquer le coup, tout simplement. C'est juste ça. Donc voilà, j'espère vraiment que ce mois spécial vous plaira. Moi je prends beaucoup de plaisir à le faire en tout cas, mais voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais voilà, je me fais pas trop de soucis normalement. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une review comics, soit sur No Man's Land, soit sur Justice League tome 3, soit sur Gotham Central, ou soit sur les deux kiosques. Ça, franchement, là, je peux pas vous dire ça arrivera quand ça arrivera. Enfin, ça arrivera comme ça. Je sais pas lequel arrivera en premier, mais normalement, ça devrait être les kiosques en premier et après les librairies. Je verrai. Donc voilà, à plus pour une review comics. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et voilà, j'espère que vous apprécierez mes vidéos pour le mois spécial Batman. Voilà, à plus tout le monde pour une review comics.